We'll you Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, en ce beau lundi. J'espère que vous allez très bien et moi aussi je vais très bien. Et j'ai la grâce aujourd'hui et toute cette semaine de remplacer notre chère animatrice Yveline Lebeau que nous saluons au passage. Bonjour Yveline et bonjour à vous. Bonjour Meg. Salut Yveline. Euh, Un en ensemble. ensemble? Oui. <laughs> Au début, de, au début de mois, j'avais déjà fait le remplacement, donc ça, ça, ça a bien été, parce que là, je suis encore là. <laughs> Aucune réponse. Selon... En silence. <laughs> non, Qu'est-ce que de... tu fais Oh là Frank. là, incroyable, incroyable. Oh, je n'ai même euh... pas regardé. Tu vois, alors... On va pouvoir annoncer au monde entier sur Instagram que tu vas animer euh, <laughs> l'émission. Au merci, mois de décembre. Merci beaucoup, Frank. Aujourd'hui, on va parler euh, des prières que le monde a besoin de nos prières. On va pas juste être égoïste mmh. et centré sur nous par rapport à nos prières, mais que le monde entier, nos nations, nos gouvernements ont besoin de nos prières. Et Frank, tu vas répondre à une... Passons, j'ai une question. En effet, et la question est... La question est de Julie Dicanadette qui dit concrètement comment doit-on prier pour nos gouvernements. Et voilà, c'est la question auxquelles je vais répondre, Nadine. <laughs> D'accord, tout à l'heure. En suspense. quelques points. En quelques points, c'est bon. Et dans la rubrique Culture et Média, on parle de prière qui dit prière dix fois. Donc on va partager sur le livre L'audace de la foi du pasteur Donato Anzalone. Je vais le présenter tout à l'heure. Et comme tous les lundis, Aurélie, tu vas nous faire un témoignage. Oui, on a Ida du Gabon qui nous a envoyé son témoignage. On va voir comment, avec une seule phrase relâchée dans une émission, Dieu fait de grandes choses. Waouh! J'aime <laughs> beaucoup les témoignages et j'ai bien hâte d'écouter ça. Mais avant ça, on va commencer avec la pensée du jour. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 1, au verset 28 que Dieu a béni l'homme. Il lui a dit Sois fégant, multiplie, remplis la terre, assujetti ben, sur tout. Et, et il a donné en fait la domination à l'homme sur tout ce qui se meut sur la terre. Donc on voit que depuis la création, Dieu a donné la responsabilité de la terre à l'homme. Et la Bible nous dit également dans Romains 8 au verset 19 que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, ça signifie que toute la création attend que l'homme prenne ses responsabilités, la responsabilité que Dieu lui a donnée vraiment de dominer sur cette terre en fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour amener cette domination sur la terre? Comment est-ce qu'on peut faire pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre? Et pour que cette création qui soupire, elle aussi vive pleinement ce que Dieu a prévu sur la terre, mais c'est par la prière et c'est par la prière d'intercession. La Bible nous dit que intercédant, en fait, dans la définition, c'est plaider la cause de quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre, auprès d'une instance supérieure. Et la Bible nous dit également que Dieu cherche quelqu'un qui établit un mur. On le voit dans Ézéchiel 22 au verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que le pays ne soit pas détruit, mais je n'en trouve point. Donc si Dieu dit qu'il n'en trouve point, ça veut dire que quelquefois, on peut penser que cette responsabilité n'est pas la nôtre et qu'elle est celle des autres. Pourtant, nous avons tous été créés pour dominer sur cette terre. Il n'y aura pas de domination sans intercession. Donc, si on veut voir des choses dans notre pays avancer, si on veut pouvoir repousser Satan de notre pays, mais il faut qu'on se tienne à la brèche et Dieu n'attend que ça. Comme on peut voir dans Ézéchiel 22, il n'attend que ça pour pouvoir passer par nous, par nos prières, pour agir sur cette terre. Lorsqu'on parle souvent de certains réveils, on voit vraiment comment des communautés ont changé. Mais c'est par la prière, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont tenues à la brèche, qui ont prié pour leur communauté. Et après, on voit la puissance de Dieu opérer, on voit de grandes choses. Et parfois, on peut juste dire Waouh Mais nous sommes les personnes que Dieu veut utiliser aussi pour qu'on puisse voir ces grandes choses pour qu'on puisse voir ces pays, ces nations changer. Alors sachez que votre pays vous appartient. Vous n'en êtes peut-être pas le président, mais Dieu vous en a donné la domination. On doit prier pour voir la gloire de Dieu sur nos pays. Face aux catastrophes, face à l'économie, au chômage, face à la santé, à toutes les problématiques qui se dressent dans un pays, on doit pouvoir prier en fait pour voir la gloire de Dieu. On peut changer les lois de nos pays par la prière. On peut changer les dirigeants de nos pays en intercédant pour eux dans la prière. On peut même changer le climat spirituel d'un pays par la prière. Alors, je nous encourage aujourd'hui de prier pour nos dirigeants. On a, on a vu, en fait, dans la Bible, que lorsque certaines personnes ont, ont prié, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous pouvez même voter les lois de votre pays en intercédant. On a vu comment Esther a changé. Toute la destinée de son peuple, parce que elle a pris le temps dans la prière avec ce peuple-là. On a vu également comment Joseph a rendu l'Égypte puissant. Et Joseph avait une relation avec Dieu. Il était connecté à Dieu. On a vu comment Moïse a libéré tout un peuple de l'esclavage. La Bible dit que Moïse intercédait pour le peuple auprès de Dieu. Et la Bible nous dit également que toutes ces histoires nous ont été données pour nous servir d'exemple. Alors je nous encourage vraiment à prendre cet exemple et à nous tenir à la brèche pour nos nations. Amen, Amen, elle était excellente ta pensée. Merci beaucoup Aurélie. Et ce point que tu as dit de se tenir à la brèche et tous les exemples que tu as cités, je vous invite vraiment à réécouter la pensée d'Aurélie pour vous imprégner de ces exemples-là qui sont vraiment une bonne source de motivation. Alors que tu as dit de se tenir à la brèche, Dieu cherche des personnes pour se tenir à la brèche et nous allons lire notre verset du jour dans 1 Timothée 2. Au verset 1, j'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. C'est ce que la Bible nous dit et le, la suite du verset dit que afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Mmh. Et ce verset-là, vraiment, il vient vraiment bien compléter ta pensée, Aurélie, parce que justement, l'apôtre Paul est en train de dire cela, que chaque chrétien, nous avons cette responsabilité, ce privilège même, mmh. parce que nous avons cet accès auprès de Dieu, de prier pour nos nations et notre bien-être en dépend. Et quand il disait ça, ben, ces chrétiens-là, ce, à ce moment-là, l'Empire romain n'était pas l'Empire hyper gentil, en train de tout faire pour eux. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que notre, notre, nos dirigeants sont gentils que nous prions, peu importe le type de dirigeant que nous avons, c'est notre responsabilité de prier afin que même leur cœur soit changé, afin que des lois soient votées aussi en faveur de ce que Dieu veut, etc., etc. Effectivement. Et puis la Bible nous dit que ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Mm -hmm. Et quelquefois, on n'a pas conscience de la force spirituelle justement qu'on a et on ne l'exerce pas, soit parce qu'on n'est pas intéressé, parce qu'on ne comprend pas justement même que notre bien-être dépend de la nation dans, dans laquelle on se trouve. Mm -hmm. Et parfois, on limite l'action de Dieu en fait. Mais Dieu nous a vraiment dit ça, que ce qu'on va lier sur la terre sera lié au ciel. Donc s'il y a des choses en fait qui continuent, à être sur la terre qu'on voit, mais c'est parce que dans beaucoup de domaines sur la terre, on n'a pas encore invité le règne de Dieu. Mm -hmm. Maintenant, quand les chrétiens se positionnent, tu si sais, en tant que chrétien, on peut se positionner et dire Ok, voici mon pays, il y a telle chose qui arrive quand on regarde les informations, il y a toujours plusieurs choses qui arrivent, que ce soit sur le plan politique, dans l'économie, dans différentes choses, mmh. qu'on va commencer à prendre conscience que c'est nous qui devons dominer la Terre, ce n'est pas juste euh, les politiciens qui doivent le faire, mais là, tu peux voir, OK, là, j'entends cette information à la télé, je vais prier pour ça. Mmh. Et ça prend pas parfois euh, trois heures, là, mmh. pour prier <laughs> pour ces choses. C'est juste, tu vois, et puis tu présentes la situation à Dieu. Et quand tu vas le faire, même si tu ne... Même si tu n'en as pas conscience, mm -hmm. mais vraiment, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est vraiment une guerre spirituelle d'abord, mm -hmm. avant d'être une guerre physique dans le naturel. Je actuel. crois que ce qu'il faut faire, c'est aussi se laisser être inspiré mm -hmm. par ce qui mm -hmm. se passe actuellement sur la planète. Il y a beaucoup de chaos, mais il y a dans les endroits des choses extraordinaires que Dieu fait, des mm -hmm. réveils. Je pense au, au pasteur Ricardo Rodriguez qui est sur mm -hmm. TV en Colombie. Mm -hmm. uh, Ils vivent un réveil depuis plus ouais. de 20 ans. Wow. Et euh, à la radio, c'est de la musique chrétienne qui joue de plus en plus. Mmh. Les gens ont changé, la société a changé. Et c'est ce qu'on avait vu dans le flashback il y a une ou deux semaines avec mmh. Charles Finney. Mmh. Quand ils arrivaient dans des régions, ils priaient afin que le réveil se manifeste. Mmh. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est mmh. qu'ils vont se dire... Ben, c'est Dieu qui a établi les gouvernements mm -hmm. comme si Dieu aurait établi Hitler mm -hmm. et que mm -hmm. Dieu voulait ça. Mm -hmm. Non, il y a une guerre comme tu le dis, c'est pas la souveraineté de Dieu qui va juste faire que tout mm -hmm. va se passer, c'est nous dans cette guerre, dans l'intercession, dans la prière qui allons faire changer les choses. Et oui. puis qu'est-ce que je dis là présentement Ce qui se passe en Colombie, c'est pas il y a 100 ans. Mm -hmm. C'est là actuellement mm -hmm. et partout ailleurs en Amérique mm -hmm. du Sud avant que le Covid frappe. Il y avait des rassemblements extraordinaires. On voit un mouvement, même au, au niveau des ministériels, des ministères ouais. que Dieu a appelés, une unité qui se forme comme on n'a pas vu auparavant dans notre génération. Mm -hmm. Et on voit qu'il y a un mouvement qui se fait pour que les nations soient frappées vraiment par la gloire de Dieu. Et ça, c'est mm -hmm. tellement important pour nous de s'inspirer de ça parce qu'on est dans des pays parfois tellement qui tirent vers le socialisme, qui tirent oui. vers la mondialisation, qui tirent vers... Et puis la, la religion, la foi est écrasée, elle est criblée de plus en plus, mais ce n'est certainement pas une raison pour nous d'être découragés de se dire pourquoi est-ce que je prierais? Oui. » parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Non, 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 c'est pas vrai. Mm -hmm. Et en fait, même au Québec, il y a, y, a, y a un organisme qui est là, qui se lève, qui rassemble toutes les dénominations mm -hmm. pour avoir une voix auprès du gouvernement. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont extraordinaires qui fait qu'il y a un poids lorsque les chrétiens se rassemblent et se unissent, vont dire non, non, on n'est on pas des, 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 des gens qui se sont fait écraser, qui ne connaissent rien, qui sont ignorants. On a une voix, on a des valeurs, ce pays a été bâti sur certaines valeurs et on ne veut pas perdre ces choses. Mm -hmm. Et ça, c'est fort, mais il doit le faire et on doit le faire ouais. et on doit prier. C'est tellement important ce que tu dis, Frank, parce que quelquefois, on ne se sent pas concerné. On pense que c'est l'histoire des autres. Mmh. On pense que oui, les pasteurs vont organiser des choses euh, au-dessus et qu'on va voir si on rejoint le mouvement ou pas. Mais tout le monde est concerné en fait. Mmh. Et quand on parle des pays, vu que le, un pays, c'est quand même une nation, on peut se dire, oui, mais moi, qui suis-je dans ce pays? Je ne suis euh, qu'un simple homme. J'ai même pas de responsabilité dans le gouvernement. Je ne suis personne. C'est des choses qu'on peut se dire, mais vraiment, je veux encourager les personnes en leur disant que ta prière compte. Ta participation compte, même si à ton niveau tu ne vois pas le changement de la loi, parce que peut-être tu ne comprends même pas la politique. Mais sache que ta prière pour ton pays compte vraiment. Mm -hmm. C'est pas quelque chose de, de, de c'est pas juste quelque chose qu'on a jeté comme ça euh, en l'air, mais ça compte. Et il faut qu'on le réalise en fait. Quand tu vas commencer à réaliser que ah mais tiens, ma vie peut faire la mm -hmm. différence pour mon pays, mais tu vas le voir. Et… et c'est pas parce que tu ne vois pas cette différence qu'elle n'est pas active voilà. regardez là on est, on est sur ce plateau on a reçu beaucoup de témoignages je vais partager un témoignage à la fin de l'émission mais la personne n'était pas avec nous mm -hmm. sur le plateau mm -hmm. c'est l'esprit de dieu qui est allé au-delà pour agir et c'est la même chose qu'on décide de prier pour nos nations il y a des choses qu'on ne va pas voir mm -hmm. mais le saint-esprit avec ta prière il opère des choses en fait. Il opère, il y a des changements qui vont s'opérer dans les, les lois. Il y a peut-être des personnes qui seront positionnées stratégiquement voilà. au niveau des gouvernements mmh. qui vont euh, plutôt favoriser ouais. les choses chrétiennes. Mmh. Il y a des groupes qui vont se former euh, comme Frank partageait tout à l'heure. Mmh. Et c'est comme ça que le, le, les chrétiens auront un poids euh, sur la terre, tu vois. C'est comme ça qu'on a aussi réussi à former, à avoir peut-être un lobby chrétien, si je peux m'exprimer ouais. comme ça. Et ça, ça fait vraiment la différence pour une nation. Ouais, il faut mm -hmm. commencer à la base. En fait, quand on est dans une ville, un petit village, on est dans un endroit qui qui semble petit. On peut mm -hmm. commencer à influencer ce niveau-là, en fait. Je pense à l'histoire que mon père, ça va faire 35 ans bientôt, qui est pasteur d'une église et plus que ça, qui est dans le ministère et il a dit, il va toujours se rappeler que quand il y avait eu deux, euh, je vais le dire comme ça, mamies qui s'étaient jointes à l'église et qui avaient demandé, est-ce qu'on peut prier pour l'église tous les matins, toute la semaine, pour mm -hmm. qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. Et après quelques semaines et quelques mois, l'église a vécu une croissance pff, comme ça. Wow. Mais parce qu'il avait et c'était au niveau local. C'est pour ça que je veux mm -hmm. dire, on peut commencer là où vous êtes. Ciblé spécifiquement, localement, où est-ce que vous êtes. Mm -hmm. Et Aurélie a mentionné. Et c'est vrai que quand il y a des mouvements de réveil ou quand les chrétiens se réveillent, parce qu'on pense trop au ministère, euh, chanter, prêcher. Mm -hmm. Mais l'appel que Dieu a mis sur ta vie peut être d'être là et d'être un influenceur gouvernemental mm -hmm. dans toutes les sphères de la société. Et quand les chrétiens se sont retirés trop de la société, ouais. c'est là qu'il y a eu un gros problème, ouais. en fait. L'Église a voulu avoir trop d'emprise sur le gouvernement alors que c'était pas bien non plus, mais là on a vécu le contraire. Oui, vrai. Et ça fait contrebalancer. Et mm -hmm. c'est important de savoir où Dieu nous veut et de répondre à cet appel, même si ça peut faire entre guillemets peur un peu parce qu'on se dit, ben, je n'ai pas vu d'autres qui ont fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ouais. Il faut y aller. Et il y a un point aussi que j'aimerais dire, je pense à toutes les personnes qui sont dans certains pays où... Euh, justement, et peut-être le régime en place n'est pas très bien. Mmh. Et puis tu te dis, mais ben moi, je ne veux pas prier pour ces gens-là et mmh. tout. Et au lieu de prier, justement, on se retrouve en train de critiquer nos, nos dirigeants. Mais la Bible dit, hein, prier pour ceux qui vous persécutent. Mmh. Donc même si le régime en place semble être le régime le moins bon de la Terre, la Bible nous dit quand même de prier pour les personnes qui persécutent. La Bible nous dit quand même, ce pas parce que tu, tu souffres peut-être dans ta condition. Parce que les dirigeants de ton pays n'ont pas peut-être su faire ce qu'il fallait, que tu dois t'empêcher de prier pour eux et oui. que tu dois tomber dans la critique. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours revenir à ce que la parole nous dit. En fait, même si tu en as un peu marre de ce que ton État offre, peut-être parce que ton État ne te propose pas des solutions pratiques ou contraites pour toi, oui. mais la Bible dit de prier pour ceux qui nous persécutent. En fait, quand tu intercèdes pour ton pays, tu es en train d'être à l'image de Jésus parce que Jésus, lui-même au ciel, il est en train d'intercéder encore pour nous et pour toute la Terre. Absolument. Et vraiment, ce que j'ai envie aussi de rajouter pour terminer, c'est ce d'être rempli d'amour, en fait. Mm. Et c'est ça qui nous distingue en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on n'est pas en train d'essayer ouais. de pousser nos agendas. On veut le règne de Dieu. Donc, c'est cet amour-là qui va faire que quand nous allons prier pour le monde, pour notre nation, pour notre gouvernement, nous allons intercéder qu'il soit touché, nous allons intercéder pour ce changement, pour ce réveil qui va amener un changement de mentalité également. Et c'est vraiment important ce que tu dis. Tu as parlé de desther de dire tiens. On peut partir un petit groupe, mais qui se dit, nous, on va jeûner, comme tu dis, par rapport à ces deux dames dans votre Église. Ben, nous, on va dire, OK, ben, nous, chaque vendredi, nous allons, pour, nous allons prier pour notre gouvernement. Et peut-être, nous ne verrons rien tangiblement comme, comme un changement, mais il y a quelque chose qui s'enclenche dans le spirituel. Et il euh, y a vraiment des choses qui se font, en fait. On le voit dans des pays qui ont vraiment été transformés par l'Évangile. Et c'est possible. Et c'est notre responsabilité et c'est notre, euh, notre privilège, comme j'ai dit tantôt, de vraiment apporter un changement par nos prières. Et alors on va continuer avec toi, Frank, dans la rubrique. Pasteur, j'ai une question. Tu vas répondre à une question de Julie du Canada, qui nous dit justement concrètement comment est-ce qu'on doit prier pour nos gouvernements. Et Julie elle fait partie. Elle est sous le gouvernement. <laughs> <laughs> Faites-en partie. Dans le, 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 le moment dans lequel on se retrouve et Julie, oui. c'est une bonne question. Euh, en fait, on va commencer en priant pour la tête du gouvernement. Pour nous ici, c'est le premier ministre Justin Trudeau au moment où je vous parle. Même si nous ne sommes pas d'accord avec les décisions et les personnes qui sont là, et que ces personnes-là, si peu importe le pays où vous vous trouvez, sont complètement à l'opposé de l'Évangile, même si on n'est pas d'accord, on prie contre ces décisions-là en accord avec la parole de Dieu mm -hmm. et on prie spécifiquement même pour que ces personnes soient sauvées. Amen. Tout simplement. Mm -hmm. Parce qu'on a lu tout, tout à l'heure 1 Timothée 2, mm -hmm. les versets 1 jusqu'à 4, et euh, je vais, vais lire le verset 4 et le verset 5 par la suite. Euh, Excuse-moi, le verset 3 et le verset 4, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qu'on puisse prier pour eux. Mm -hmm. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Mm -hmm. C'est spécial que ce verset-là soit rattaché au gouvernement et aux gens en autorité. Mm -hmm. Paul avait cette compréhension-là. Même s'ils sont là et qu'ils sont pas d'accord, prions pour eux afin que, oui, ils soient sauvés parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mm -hmm. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on le dit, on est en guerre. Il y a un combat à être livré concernant les décisions qui sont prises et nous devons prier. Tout n'est pas euh, comme on l'a mentionné. Soumis à la souveraineté extrême de Dieu, mm -hmm. il y a une bataille à être livrée comme Abraham le fait à l'époque, quand il y avait Lot et quand il y avait ces gens-là qui étaient à, à Sodome et Gomorre. Il a dit, Seigneur, si tu trouves juste même un juste, il avait commencé plus haut. Et Dieu avait dit, Oui, oui, oui. Abraham avait lutté, avait intercédé en faveur des gens de cette ville pour les justes qui s'y trouvaient, afin que Dieu fasse grâce. Et, et c'est la même chose pour nous, afin que Dieu fasse grâce par rapport aux chrétiens qui sont là, par rapport aux choses qui doivent être votées. Et on doit prier surtout pour ceux dans les gouvernements, Julie, qui se lèvent pour les, les valeurs chrétiennes, les valeurs du royaume de Dieu en général. Moi, je sais, je suis abonné et je reçois des courriels de certains euh, candidats, des députés, des gens qui sont en place gouvernementalement au Canada, et qu'à chaque semaine, je reçois des courriels par rapport à des choses. Contre la volonté de Dieu, qui sont sur le point de se faire voter. Et qu'est-ce que nous, on peut faire à cette rencontre-là? On a une voix. On est le peuple. On est dans une, dans une, dans une nation où est-ce qu'il y a une démocratie? On a une voix. On a le droit de parler, de pouvoir voter, de dire non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Vous n'allez pas faire tout ce que vous voulez. Et donc, concrètement, on peut prier, mais après ça, on doit agir aussi. Euh, et puis après ça, pour terminer, j'ai envie d'encourager, et comme je l'ai dit, de pouvoir prier localement et pour les gens qui sont impliqués autour de vous dans les politiques, si c'est dans votre ville, village, euh, dans votre comté, peu importe c'est quoi, prier pour ces gens concrètement. Mm -hmm. On doit prier afin que les lois soient en accord avec la parole de Dieu. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec, euh, on peut même prier afin que ce gouvernement-là tombe et parte au plus vite. Moi, c'est quelque chose que je fais. Les gens pourraient dire, ah, oh. mais oui, oui, si y a un <laughs> gouvernement qui est là, <laughs> non, non, je suis sérieux, si y a un dictateur qui est là... Je vais prier que le Seigneur l'enlève et qu'il y ait quelqu'un, selon son cœur, qui vienne le remplacer. Amen. Les gens vont dire, ah, ah oui, oui, je, je prie comme ça. <laughs> Seigneur, ce gouvernement-là est complètement contre tes valeurs. Je prie qu'il y ait euh, vraiment un, 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 un vent de changement en ta faveur mm -hmm. pour que ton peuple soit, oui, sous cette grâce et en accord avec la parole de Dieu. Mm -hmm. Donc voilà un peu ce qu'on prie. On n'est pas contre eux, on ne les déteste pas, mm -hmm. on prie pour ceux qui peuvent nous persécuter, on les aime quand même, on prie pour leur salut, mm -hmm. mais si ce qu'ils font est complètement contre Dieu, contre les valeurs du royaume, ben on a le droit de vouloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne en place mm -hmm. et que Dieu puisse faire un ménage si besoin, même si vous êtes dans un pays corrompu parce que je sais qu'il y en a tellement, nos prières ont quand même un effet parce que mm -hmm. si on se dit ben non, ce pays est corrompu, ben ça veut dire que la corruption est plus forte que nos prières, mm -hmm. mais ce n'est pas vrai. Nos prières avec foi, comme tu vas le dire, l'audace de la foi va prier contre même la corruption et contre les gens qui sont là peut-être depuis des années et on va croire que Dieu va agir quand même au milieu de ça. Alléluia. Amen. Maletolo <laughs> Seigneur, merci. Merci. merci Alléluia. Frank. Et si vous aussi, comme Julie, vous avez une question, vous pouvez la envoyer à @emcitv.com. Il nous fera un plaisir de la sélectionner peut-être prochainement pour une prochaine rubrique. Merci beaucoup, Frank. On va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Média. Découvrez le livre de la semaine. Alors, le livre de cette semaine est l'audace de la foi. Comment fonctionne, comment fonctionner dans l'esprit de foi du pasteur Donato Anzalone Et si ce que nom nous vous, que nous saluons, oui. bonjour ça, pasteur je, Donato, si bon vous bon le jour, voyez, pasteur bonjour pasteur Donato, Donato, si euh, ce nom vous dit quelque chose, ça j'allais justement dire, c'est un pasteur qui est beaucoup sur la chaîne ou que nous aimons beaucoup et qui a même participé à des capsules. Le pasteur, j'ai une question. Ici, ouais. à bonjour chez vous. Et donc ce livre ici euh, a été écrit, il, y a, il est venu il y a quelque temps, en tout cas ce livre ici c'est mon livre personnel qui m'a dédicacé en 2018 oh. quand il est venu. Eh oh. Oui mais je suis très contente. <laughs> Et c'est un livre qui m'a vraiment boosté dans ma foi, un super bon livre. En fait il commence par euh, leur témoignage à eux, si vous le savez, ils, l avaient, ils ont eu leur fille qui avait une maladie incurable sont restés dans la foi et aujourd'hui leur fille est complètement guérie et gloire à Dieu. Mais vraiment le processus aussi, euh, comment c'était, ils, ils, ils partagent vraiment beaucoup sur ce témoignage et il a même fait un témoignage avec son épouse dans la rubrique Culture et Média, si jamais, pas Culture et Média, mais c'est mon histoire, si jamais vous voudrez le, le suivre. Donc dans le livre, il parle évidemment de son combat, à lui, et il nous explique l'aspect légal et expérimental de la foi. Ça, j'ai vraiment aimé, puis je vais vous le lire. Il dit ici que... Euh, il, va, il dit, je m'explique, toutes les, toutes les promesses nous appartiennent légalement, puisque Jésus a payé pour elles, mais nous devons faire quelque chose pour nous les approprier personnellement. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle de l'aspect légal et l'aspect expérimental. L'aspect légal de chaque promesse signifie que Jésus a payé pour elle Sur la croix, Jésus a payé le prix afin que nous puissions hériter des promesses, mais la Bible insiste que la Bible promet nous appartient légalement et elles ont été rachetées. À, par le précision de Christ. Mais nous devons aller chercher ces promesses, les saisir. Ça, c'est notre part, ça, c'est mm -hmm. l'aspect expérimental. Donc, il explique vraiment, de façon, c'est un enseignant de la parole, donc il nous explique vraiment pas à pas comment nous acquérir de ces promesses-là, comment marche l'esprit de l'esprit de foi. Il parle de l'importance de la parole de Dieu, comment fonctionner dans, dans, avec, avec la parole. Il parle de ce qui contamine notre foi, donc la peur, l'inquiétude, les raisonnements. Et justement, j'avais fait un post avec cette partie-ci que je vais vous lire. Il dit, décidez donc de purifier votre foi en expurgeant la peur, le doute, les inquiétudes et les raisonnements. Alors le Seigneur pourra travailler avec votre foi et vous remporterez des grandes victoires. Votre vie de foi sera transformée. Le livre est disponible sur la boutique inspiration.com, le livre du pasteur Donato, comme j'ai dit moi personnellement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui explique très clairement, il parle de façon vraiment accessible, c'est pas trop compliqué à comprendre, mais c'est tellement puissant et vraiment c'est un livre qu'on recommande sur la boutique. Merci beaucoup. Voilà, on passe à toi Aurélie dans la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, on va parler de Ida du Gabon. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la maladie qu'on appelle la grippe anocytose. C'est vraiment une maladie qui est, est difficile de vivre, en fait, quand on a cette maladie-là. Et même parfois, les médecins ne donnent pas euh, de grandes chances, en fait. Mais on va voir ce qui s'est passé dans la vie de Ida. Elle nous a fait une vidéo. Et puis je vous laisse la découvrir. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ida Darley, j'ai 27 ans, je suis gabonaise et je vis à Libreville. J'ai longtemps été drépanocitaire et j'ai souffert par le passé. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Je me rappelle lors d'une émission de la prière inspirée de Jérémy Souris, la compagnie du pasteur Papicho Akewa. Il a prononcé une phrase, il a dit « Vous êtes présentement libre dans le nom puissant de Jésus-Christ ». Et à ce moment, une fraîcheur incroyable s'est manifestée dans tout mon être et j'ai été régénéré. Gloire à Dieu J'ai obtenu ma guérison divine et depuis lors, je n'ai plus jamais pris de médicaments liés à la drépanocytose. Je rends grâce à Dieu car c'est à lui qu'appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Amen Amen. Amen. <laughs> Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Donc là, elle nous raconte que, alors qu'elle est en train de regarder l'émission Prière inspirée avec euh, Jérémie Sougril et Papi Cho, mm -hmm. Pasteur Papichot, ben, il y a eu euh, vraiment cette parole qu'elle a reçue vraiment une seule parole mm -hmm. et tout est complètement fini. Mm -hmm. Mais juste avant ça, elle nous dit aussi tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Elle dit déjà que Jésus lui a apparu deux fois, en fait. Mm -hmm. Et il lui disait Tu n'es pas malade. Lors de la première visitation, elle dit qu'elle a reçu euh, le baptême de l'Esprit, c'était en mars 2020. Et après, une deuxième fois, en fait, le Seigneur est revenu lui dire, tu es guéri définitivement de la grippe panocytose. Et je t'informe que ton témoignage de guérison va même aider d'autres grippes Donc, si vous, aujourd'hui, vous souffrez peut-être de cette maladie-là, mais vraiment, sachez que le Seigneur veut également vous guérir, en fait. Comme Nadine disait tout à l'heure, il l'a déjà fait à la, à la croix de façon légale. Il a déjà porté par ses meurtrissus toutes vos maladies. Et de la même manière que Ida s'est juste saisi de cette parole, alors qu'elle est en train de regarder cette émission à inspirée, vous aussi, vous pouvez vous saisir de votre guérison divine aujourd'hui par la foi et la manifester. Commencez juste à, à marcher et manifester cette, cette guérison. Donc, on voit que quand Jésus entre dans une vie, mais la vie ne peut jamais rester la même. C'est ce qu'il a fait pour Ida et c'est ce qu'il fait pour toutes les personnes qui s'attendent à lui et qui l'aiment de tout leur cœur et qui s'accrochent à lui également. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie, Ida, et pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et si vous aussi, vous avez été touché et par, vous avez été guéri, délivré par une émission de EMCI TV, vous pouvez nous envoyer votre témoignage à l'adresse euh, www.emcitv.com slash témoignage. Okay. Et il nous prendrons un plaisir de sélectionner peut-être votre témoignage pour une prochaine émission. Je dit dis deux W, Nadine, en passant. J'ai dit deux W, non. Oui. <laughs> www.umctv.com slash témoignage. Merci. c'est un peu bizarre. La semaine sera longue. Non, elle ne le sera Frank. pas, au nom de Jésus. Non non, 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 pas du tout. Alors, nous, on va se retrouver demain et Frank ne sera et plus là, malheureusement. Je vais partir au plus vite. Demain. <laughs> Notre thème du jour sera Ne te prie plus à cause de l'offense. Et nous aurons une rubrique Famille avec toi, Aurélie, sur la valeur de la famille. Que j'aime la famille. Je vous invite vraiment à écouter cette émission demain. Je suis sûre que vous serez bénis. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.